derniers jours pluvieux, où de nombreux festivaliers et compagnies off ont préféré déserter les lieux, le bilan du festival reste largement positif. De nombreux festivaliers, petits comme grands, venus des quatre coins du monde, en ont pris plein les yeux. Une large représentation des arts de la rue, le festival a pu combler un bon nombre de spectateurs. Bilan avec le directeur artistique Pedro Garcia, ainsi que quelques commerçants. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que le mercredi, qui était le cinquième jour, le premier des cinq jours, a toujours été un moment où petit à petit, quelques spectacles étaient présentés. Et donc, depuis maintenant deux éditions du festival, on sent bien qu'il prend pleinement sa place. Et on peut dire que réellement, aujourd'hui, en 2013, le mercredi est un jour comme les autres. Certes, le public maintenant a bien apprécié le fait que le off démarre le jeudi. Mais il y a suffisamment de spectacles le mercredi pour que le public des Chalonnais, comme des professionnels d'ailleurs et des artistes, soient présents. Y compris cette année, il y a plus de générales. Je crois que le public comprend bien ce que veut dire une générale, c'est-à-dire que ce n'est pas un spectacle. C'est un moment où ça peut s'arrêter, ça peut reprendre, où tous les éléments techniques ne sont pas là. Mais ça fait partie du jeu que de pouvoir rentrer dans l'atelier du peintre pour voir ce qu'il est en train de travailler avant de pouvoir voir l'œuvre. C'est une très bonne fréquentation. Et puis, malheureusement, cet épisode qui va durer vraisemblablement jusqu'à 20h, qui fait qu'en dehors de ce qui se passe dans les chapiteaux, peu de choses se passent en extérieur, mais beaucoup de chapiteaux trouvent des solutions pour faire en sorte qu'ils puissent accueillir d'autres spectacles qui sont parfois des amis, des voisins, et faire en sorte que des choses puissent exister. Mais évidemment, on a un dimanche pluvieux comme on en a eu rarement. C'est un festival installé, 27e édition, c'est pas une journée de pluie qui va changer quoi que ce soit à l'aventure du festival. Alors, beaucoup de compagnies off, ont annulé, certaines sont parties, d'autres attendent parce qu'elles ont des amis qu'elles vont aller voir. Bon, c'est évident que celles qui craignaient le plus la pluie et qui n'étaient pas dans des cours, parce qu'il y a des cours qui fonctionnent encore, hein, la cour de l'Est, la cour du Centre, donc fonctionne encore. Par contre, évidemment, certaines compagnies d'off ne vont pas rester, profitent de rentrer un petit peu plus tôt, sachant que pour la plupart d'entre elles, elles continuent à travailler pendant tous les week-ends de juillet et d'août. Et si elles font l'effort d'être là pendant Chant dans la rue, c'est parce que c'est un rendez-vous qui a une réputation importante et où elles peuvent croiser les 1500 professionnels qu'on accueille. On nous a fait des remarques, mais c'est une remarque qui maintenant est assez récurrente, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de familles, beaucoup de poussettes. Oui, mais c'est un rendez-vous aussi familial, extrêmement populaire. C'est pas du tout un rendez-vous jeune ou moins jeune, famille. Non, c'est un rendez-vous qui rassemble la population. Il faut garder le marqueur fort des arts de la rue. Ça se passe dans l'espace du quotidien et c'est gratuit. À partir de ce moment-là, on a le plus grand nombre et notre public, il est à l'image simplement de la population française. Si on fait beaucoup d'enfants, eh ben on a beaucoup de poussettes. Le point fort du festival, c'est toujours difficile de dire le point fort du festival, parce que l'heure des bilans, c'est un petit peu tôt, mais je vois par exemple, comme je le disais tout à l'heure, il y a des fréquentations qui ont été très 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 fortes.
On indique des jauges qui, sur notre programme, ce sont les jauges qu'on peut estimer être les bonnes. Je donnerai, par exemple, je viens de rencontrer Ali Salmi qui m'a dit, bon, bah voilà, on avait mis 500 et puis on a eu sans arrêt 1000. Et le fait qu'il y ait 1000, c'est pas pour dire que tout à coup le festival a un succès énorme. Non, ce festival a un succès énorme. Voilà. Les idées, on n'en manque pas. Vous savez, tous les ans, on part à 40, hein, et puis on se dit, tiens, il n'en faut que 20. Donc ensuite, il y a un certain nombre de projets qui se repoussent dans le temps parce qu'il y a des problèmes de financement donc, et de trésorerie pour les compagnies. Donc on a un certain nombre de projets qui glissent. Il y a d'autres projets qu'on estime en discutant avec les compagnies qui ne vont pas être prêts ou suffisamment matures pour s'inclure dans la programmation du HINE. Parce que la réalité de la situation qu'on propose aux compagnies, évidemment, si la situation est idyllique parce que le public est attentif, il est gourmand de ces aventures-là, et que les professionnels sont là, quand on loupe son entrée d'Enchaînons dans la rue, c'est parfois un spectacle qui met une, deux ou trois saisons à s'en remettre. Donc on a une responsabilité qui est partagée. On peut être en désaccord avec une compagnie, mais en ce qui nous concerne, nous, en conscience, on doit dire si oui ou si non. Évidemment, souvent, on fait en sorte que les compagnies comprennent bien et aient suffisamment je dirais, d'acuité sur leur propre travail pour se dire oui, effectivement, c'est peut-être pas le moment. On ne cherche pas des projets à partir des lieux, mais on cherche des lieux à partir des projets. Donc, ce qui fait que, bon, bah, cette année, il y a eu des projets qui se sont déroulés, par exemple, sur des quartiers un peu plus excentrés que le centre-ville, hein. Et puis le Port Nord, par exemple, Apropor, la société Apropor nous a très gentiment mis à disposition toutes les grues et la trémie, tout en sachant qu'on allait y faire du feu. Et Dieu sait que les flammes, ce n'étaient pas des flammes de 3 ou 4 mètres, mais des flammes de 5, 6, 10 ou 12 mètres. Donc voilà un nouveau lieu qu'on a cherché à utiliser pleinement. Chalon dans la rue, ben, pour moi, c'est la première, puisqu'on a ouvert au 16 avril. C'est la toute première. On m'avait parlé du 3e festival de France, hein, au niveau du théâtre. Et ben, j'ai une petite déception. On a une petite déception avec ma soeur, avec mes associés. La petite déception est liée du fait qu'on tente de jouer le jeu à rester ouvert jusqu'à 1h du matin, comme nous l'avons fait vendredi soir et samedi soir. Et c'est vrai que, de surcroît, on aurait aimé voir des spectacles avant minuit, avant le final sur la place du collège. On aurait aimé avoir quelque chose ici, nous, et qui partent après, du coup, sur la place du collège. Voilà. L'effort a été fait de la part de nos confrères boulangers également, hein, et bien évidemment, tous les bars environnants, et avec le marché, avec tout le monde. Mais du coup, même le marché, et nous et le marché, n'avons pas fait plus que ça au niveau public, clientèle, du fait que, bah, qu'il n'y a rien, quoi. Et le jeu a été joué. Pour notre part, les nocturnes ont été jouées, pour notre part. Il ne peut pas y avoir de spectacle Place de Beaune, puisqu'il y a un marché. À partir du moment où ils ont choisi qu'il y ait un marché Place de Beaune, il ne peut pas y avoir de spectacle. Mais ce que je réponds à tous les commerçants, hein, c'est que la question n'est pas d'avoir un spectacle devant chez soi, parce qu'on ne travaille pas quand on a un spectacle devant chez soi. Ça bloque. C'est d'avoir un certain nombre de festivaliers, de chalonnais, donc qui circulent dans la ville. Ensuite, faut-il encore qu'ils s'arrêtent devant un commerce parce qu'ils ont quelque chose à acheter. Il y a beaucoup de monde. Par exemple, il fait trop chaud les après-midi. On voit beaucoup plus de monde le soir. Bon, le midi, bien sûr, les gens viennent pour manger. Mais autrement, je trouve qu'il y a moins de zones que les autres années quand même par rapport au festival. Il y a plus de familles qui viennent avec les enfants, une très belle clientèle. Et il y a énormément de monde le soir. On voit que les gens restent chez eux l'après-midi, bien sûr, avec les grosses chaleurs. Les gens sortent beaucoup plus le soir. À Chalon dans la rue, je pense que c'est un festival très important pour nous, commerçants. Parce que c'est un afflux de monde, enfin c'est énorme. Cette année, je crois qu'ils ont 200-300 000 personnes qui sont passées. Donc pour nous, en termes de chiffre d'affaires, c'est très important. Ça correspond à un très très bon mois de février. En 4-5 jours, on fait un mois complet. Au niveau du chiffre d'affaires, c'est important. Par contre, ça implique qu'il faut énormément de personnel. Il faut le personnel d'un mois en 5 jours. Là, on était 29. Pour nous, on était 29 sur 5 jours. Il y a eu quelques complications avec des gens qui boivent, je pense, trop, passé 1h du matin. Mais bon, ça va avec le festival. Mais en général, ça se passe quand même vraiment très très bien, quoi.